Ah, d'accord, je vois encore le genre. Et on court! Oula, ça va être. Ah, il faut. Ok, je vois très bien ce que tu vas faire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la map Escape Aperture. Et les amis, c'est une petite map française, on est en 1.8. Alors je sais que c'est, elle date un peu, mais voilà, je suis tombé dessus il n'y a pas très très longtemps et je voulais partager cette map avec vous parce qu'en fait c'est une map française. Et c'est pour ça que je voulais la partager parce que je pense qu'on... Quoi, elles sont assez rares, c'est beaucoup de maps anglaises qu'on a. Et là, on a voilà, un petit français, même un bon français apparemment, qui s'est permis de faire une map. Et on va voir ce qu'elle va donner. Donc on va commencer tout de suite. Donc n'oublions pas, la map, elle s'appelle Escape Aperture. Et le mappeur est Alan Monk. Donc, bonjour et bienvenue dans un centre d'enrichissement d'aperture. Oh. Ok, déjà ça met bien l'ambiance, ça met vraiment bien l'ambiance. Vous êtes tenu de participer au test, donc c'est une obligation les amis, c'est une vraie obligation. Nous commençons quand vous rentrerez par la porte en face de cet écriteau décor. Donc la porte qui est là, il y a quoi dans la porte, on peut même voir un petit peu. Alors on a tout un univers, on peut voir. Hein. Donc nous vous rappelons que vous devez d'envoyer une préposé, une préposée, un préposé au test. Ah oui, au cas où s'il y a des petits problèmes. Oh oui, il n'y a pas de souci. Alan, on va t'appeler Alan ou Monsieur Monk. Donc on va t'appeler plutôt Alan. Donc il n'y a pas de problème. Donc je suis en train de regarder un peu le décor. Donc on a un texture pack qui a été accompagné. Ah oui, il y a même du son. Écoutez. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas mis de musique en fond, d'habitude je mets toujours une petite musique. Mais bon là je me suis dit c'était peut-être pas la peine, parce qu'en fait le mappeur nous a dit « Il y a de la musique, faites attention !» D'accord, donc on fait attention, donc on ouvre un petit bouquin, d'accord. Donc on peut voir hein, que certains décors sont un peu, voilà, c'est du décor quoi. Donc alors, ah ok c'est un rules, donc le volume est son ajusté. Comme vous vous souvenez, mettez tous les sons à 100% sauf l'environnement météo et musique qu'il faut mettre à 0. Le graphique distance, render distance à 3, luminosité 50. Donc on va voir tout de suite. Alors hop, vidéo, je sais plus où c'est. Je vais me planter. Render distance à 3. Après, je sais plus ce qu'il m'a dit. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Le son. Hop, voilà, le son, musique, il a dit, je sais plus, ça, je sais que c'est ajouté à 22, là, on met à 0, et la musique, je crois, à 0, je crois, mais j'en suis pas sûr, musique à 0, ok, nuage, après on s'en fout, luminosité à 5, ah, la luminosité, ça je l'ai pas fait, vidéo, luminosité à 50, ok, allez, c'est parti les amis, on va y aller tout de suite. Allez, let's go, débutez votre aventure. Ok, pas de marcheur. Ouh, game mode update. Ok, je suis en game mode quoi commencer en appuyant un bouton. Des petits PC, des petits sièges pour s'asseoir. On peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ouh là, j'ai une grosse tête. Ouh, on peut pas s'asseoir. Hop là, c'est assis. Je suis assis, mais bon. D'accord, on peut voir même le décor aux alentours. Un petit glitch, un petit bug. Je suis où? Je suis dans la nature. Je vois. Ouh, je vois une autre salle en dessous. Bon, on va arrêter de regarder ce qu'il y a autour et on va se concentrer sur la mission. Ok, bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'Espergold Science. Ok, vous allez effectivement. Ouh, il y a le son qui est un petit peu trop fort. On va peut-être régler le son. Le son. Je sais plus où t'es. Je sais t'es là. 30 pourtant. C'est pourtant un 30. C'est pas beaucoup. Est-ce que c'est un peu moins fort pour vous? Je sais pas. Dites-moi, parce que je pense que apparemment c'est une map quand même assez longue. Si vous trouvez que la son est assez fort, je sais pas, on verra. Là, on va continuer. Donc déjà, moi, ok. Donc c'est bonjour et je vais recommencer. Hein. Bonjour et bienvenue au centre d'enrichissement d'aperture science. Vous allez effectuer une série de tests. C'est bon. Pour le bien de la science. C'est toujours pour le bien de la science, les amis. Quoi qu'il se passe dans l'univers, ce sera pour le bien de la science. Vous pouvez désormais
vous lever, si Atomia était déjà debout, et cliquez sur le bouton, la porte s'ouvrira et les tests pourront commencer. Donc là, il y a encore un coffre, il n'y a rien dedans. D'accord, le bouton. Vous avez entendu ce bruit de porte coulissante? D'accord, je vois. Il va falloir courir. Hein, c'est juste une porte. D'accord, bien. Le test peut à présent commencer. Le test qui suit comporte un cube, d'accord, un cube de stockage. Ouais, faut que je comprenne bien. Donc, les tests peuvent. Putain, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Les tests peuvent à présent commencer. Le test qui suit, voilà, comporte un cube de stockage lesté d'aperture science et un bouton. D'accord, on va comprendre peut-être sur le test comment ça va se passer, parce que j'arrive pas très bien à visualiser. Les tests à base de cubes et de boutons demeurent une priorité, d'accord, même face aux conditions adverses. D'accord. Je vois un bouton. D'accord, ah j'ai un cube. Ah ben d'accord, un cube, un bouton. D'accord, je me suis dit, c'est pas en appuyant. Ok, il y a une plaque de pression. Ça ouvre la porte. Ah, d'accord, on voit tout de suite le système. On lance ça et on peut y aller. Ouais, bravo. On tape dans les mains, les amis. Bravo, comme les gosses. Bravo. Le prochain test utilise du gel répulsif d'inverse à science. Et je voudrais le texte, s'il te plaît. Ce gel, bien qu'il peut liquéfier. Bon. On va faire doucement alors. Ce n'est pas nocif, bon, ok pour la santé. Ce n'est pas nocif pour la santé, bon ok, bon on risque rien, d'accord. C'est quoi, c'est ça? Et quoi, y'a rien? Ah, j'ai perdu mon cube! Je vois un truc. Ouais. Une plaque de pression. D'accord, ok. J'ai pas fait. C'est peut-être dessus. Ah, est-ce que si je me mets là et que je saute, d'accord, en fait, c'est, on doit avoir un moment où on va redescendre, on va avoir quelque chose. Je suis pas descendu du bon côté, c'est ça, si c'est ça. On va juste voir quelque chose, c'est facile. Non, c'est pas le bon, c'est ça. Voilà, saturation de notre vision, ok. On va voir. Voilà, j'ai un jump boost en fait. Oh, regardez, tout un système de craft hein, avec des jambes cheloues. J'ai déjà me chouette, mais mon décor. Alors, j'ai oublié de vous dire, cette map a été est inspirée par Portal. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce petit jeu. Donc, on va beaucoup voir un peu l'ambiance de Portal. Donc, encore un petit interrupteur. Je pense que là, oui, c'est là. D'accord, encore une plaque de pression. Hop, on jette la plaque de pression. Non, on jette la plaque de pression. Là, c'est... Ah, ok. J'ai pas vu que c'est pas ici, c'est plutôt là. D'accord. Et là, je suppose que j'ai ouvert. Est-ce que j'aurai assez de temps? Non. Alors, ça va être chaud. Ça va être chaud cette fois-ci. Ah. Voilà, on y va tranquillement. Une musique quand même qui est un petit peu oppressante. Hein. Ouais, ça y est. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un cube de verre, on dirait des... Ouais, c'est du verre. En tout cas, un texture pack est vraiment sympa. Il a dû vraiment passer beaucoup de temps. Donc, hop. D'accord, ok. Je peux pas bouger là, en fait, hein, je vous le dis. Hein. Ok. Donc, ça sert à rien. Ah, le prochain test nécessite bonne condition physique et de la dextérité, beaucoup de concentration. Vous aurez beaucoup besoin de beaucoup de choses et de beaucoup de volonté. Donc on a quoi? On a des plateformes. Oh, c'est un jump. C'est un petit jump. J'ai pas vu. En fait, je viens juste de voir le curseur central. Vraiment sympathique. Sympa. Bon, c'est un petit jump assez easy quand même, les amis. Donc j'ai pas compris c'était quoi, c'était peut-être on dirait un téléporteur. Bravo le sujet de test. Ah, je suis qu'un sujet de test, bande de salauds. D'accord. Wouh. D'accord.
Ok, la porte elle est fermée. Je vois le genre. Le bouton. Ah, d'accord, je vois encore le genre. Et on court. Oula, ça va être. Ah, il faut. Ok, je vois très bien ce que je dois faire. Comme ça, on court, on court, on court, on court, on court. Ouais. Moi bien, les amis, moi bien, moi bien. Donc, ok, on va utiliser un jet répulsif. Pourquoi j'arrête tout les jet répulsif. Ok. Il faut ça. Là, ok, je tue. J'en prends deux. On sait jamais. Ok. Hein. D'accord. Alors, quand je marche dessus, d'accord. Je sens le truc à la con. Ok, j'en ai un là. D'accord, donc il est là-bas. Et je n'ai plus de cube. Je vais pas récupérer ce cube-là. J'en veux un nouveau. Donne-moi cube. Donne-moi le cube. Et hop là. Ok, alors ça c'était assez facile. Bon, ça va, hein, c'est pas trop non plus trop trop compliqué. Donc, ouais. Alors, je vous ai déjà dit que j'étais super bon. Hein. hop, ça doit être par là. Après, ça doit être par là. Mais il y a ça qui va me faire chier. Et ouais, j'en étais sûr qu'il y avait ça qui allait me faire chier. Mais bon, ce n'est pas grave. On continue. Hop, on recule. On avance. On recule. Oh, oula, oula, il s'est passé quoi là? Mon personnage est monté en fait. Mon personnage est monté. Je veux savoir pourquoi il est monté. J'étais là. Non. Non, c'est moi qui ai déliré en fait. Oula, je galérais. Je galérais à faire un petit jump. C'est pas grave, on continue. Ok. C'est pas possible juste pour trois petits sauts, on va pas quand même galérer. Je vous avais dit que j'étais bon en jump, non? Allez, ok. En fait, ça me saoulait. Ok. C'est pas grave, on se concentre, les amis, on se concentre. Et pourquoi il court pas? Mon personnage veut pas courir en fait. Mon personnage veut pas courir quand je suis ici, je sais pas pourquoi. Alors on se décale un petit peu. Ok. Ok. Pourtant c'est assez simple. Y a pas une grosse difficulté sur ce style de jump. Oh, abruti. Je l'ai vu comme une grosse commise, donc je me suis dit, j'ai pas couru. Regardez, vous avez vu pourquoi mon père, on dirait que mon personnage court pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit me gêner? Je sais pas. J'ai pas l'impression. C'est moi qui saute peut-être trop tard, trop tôt, je dirais. Ok. Ok. Pour l'instant, bon, ça va, même si on a raté 10 fois. So. J'aime bien ces petites musiques qui nous entraînent. Ça c'était chaud. Donc là on fait attention de pas foirer. Ok. Et ok, donc on a pu passer. Bravo. Ouais, le champ national a réussi, donc encore. On dirait, ouais, je pense bien que c'est. Attendez, qu'on cause, puisque. Condition physique, ok, pour. Bon, je pense vraiment que là où on est, là où je suis bloqué, où je peux pas avancer, je pense que c'est un téléporteur qui doit nous amener dans une autre pièce. On sort par où? On sort par là. Ça nous amène d'une pièce à l'autre, d'un niveau à l'autre, peut-être. Donc voilà, donc. Deux boutons cette fois-ci. Hein. Ah. Marche pas. Ah! Quel con! Ah, d'accord. M'en faut un autre. Comment? À quoi il sert ce bouton? Il sert strictement à rien. Il me faut celui-là. J'ai peut-être appuyé un petit peu trop tôt. Non, ça doit être bon là. Oh. Non. Ok, c'était bon. Donc ça c'est encore du jump.
Donc ça c'était... je n'ai pas de dispenser, j'ai une plaque là-bas. Gauche, droite, bah, on va aller par là. Ok, ok, déjà ça commence bien. D'accord, une porte. Je sens bien le piège, je sens bien qu'on va mettre trois plombs. Il me manque quelque chose, il doit me manquer quelque chose. Parce que je peux pas, je peux pas, je pourrais pas, j'ai vraiment pas le temps. On va peut-être passer par là en fait. Compte. Non, pas. On pourrait pas, ça me paraît bizarre. Si on peut. Ok, un bouton, là-bas y'a rien. On va aller voir le bouton. C'est toujours plus sympa d'aller voir des boutons. Fait rien ce bouton là. Ouais, bon, on va aller de l'autre côté quoi. On va aller l'autre côté. Ah d'accord, c'est peut-être moi en fait qui les ai activés. Ouais, en fait c'est le bouton qui était là-bas qui faisait fonctionner notre système. J'aurais dû jeter en même temps le cube, peut-être que avec un peu de chance ça aurait été allé sur la plaque de pression. Ok, donc pour l'instant tout se passe bien, tout est happy. Ok, si c'est ça, c'est ça. Parce que je peux pas y aller là-dessus, je pourrais peut-être pas y aller, donc on y va. J'adore le jump. Je kiffe le jump. C'est par où après? C'est par où après? Je pense que c'est par ici. Je pense sincèrement que c'est par ici, oui. J'hésite entre celui-là et celui-là. On va essayer celui-là. On va essayer. Comment vous dire? Abruti! Pourquoi j'ai jumpé encore une fois? Ok. Ok. Voilà. Hop, c'est par là. Ouais, en fait, la dernière fois, je galérais parce que c'était pour m'échauffer. Vous voyez, hein, là, je suis un killer de jump. Là. Un killer de rien du tout, oui. Ok, là, ça me paraît très très loin. Ouh, c'était chaud. Encore un téléporteur. J'ai pas cru que j'allais passer le dernier jump. Hein. Il me paraissait assez loin. Mais bon, les amis, c'est bon, on a pu le passer. Donc let's go quoi, let's go. Donc hop, ok, on avance toujours. C'est un peu quand même un peu noir, un peu No Man's Land, un peu, il n'y a rien du tout. Ok, alors là on a une plaque de pression, on a un bouton, encore une autre plaque de pression. Ok, je fais quoi là maintenant? Ah oui, ah d'accord. Ouh, je vois le truc. Allez, 1, 2, 3. Oh, bah ok, ça c'était assez simple. Non. Hein? Sans enregistrement, vous félicite d'avoir effectué. Déjà fini? Avec succès cette série. Ah, cette série de tests. À présent, vous allez. Hein? Inhaler quoi? Je suis en train de crever là. Sérieusement? C'est inhaler quoi? Non. À présent, vous allez inhaler du gaz. Ah, soporifique. Bon, ça vous allez vous réveiller, zut. Ok, bon, en tout cas, ça. Oh. Ok, les amis, on est mort. Ah, ok, on se réveille, comme il a dit le monsieur, on se réveille dans une chambre. Bonjour, vous. Votre cryo a duré. Cryostase a duré 50 jours. Ah, j'ai pas l'impression, hein. Franchement, j'ai pas l'impression. Donc, conformément au. Oh, loi nationale et fédérale, tous les candidats. Ah, il y a une voix inconnue. Ah, il y a un mec qui est en train de me parler. Alors. Avant que le mec me parle, on va continuer le texte d'avant. Donc, national et fédéral, tous les candidats au test de centre de relaxation prolongé d'aperture science doivent être réveillés afin d'effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie. Je n'ai pas entendu une sonnerie, mais j'ai entendu une explosion. Veuillez alors regarder. Je sais pas. J'ai regardé quoi? Je sais pas. Après, c'est une voix inconnue. Voilà. On sait pas encore qui c'est, même si on voit qui c'est. On sait pas qui c'est, donc c'est oups.
Je vous ai pas tué. Bah oui, j'espère. En tout cas, moi je suis là. Donc tout va bien pour moi. Non, ça a l'air d'aller. Ben moi, ben pourquoi ben moi? Non, c'est bon moi, c'est Wiltley. Je veux pas choisir un autre prénom. C'était pas plus simple, genre Jean-Claude. On va t'appeler Jean-Claude. Allez Jean-Claude. Alors Jean-Claude, je suis là pour vous libérer du centre. J'ai réussi à désactiver la sécurité de la zone. Merci mec, mais pourquoi? Moi, je suis bien pour l'instant. C'est juste un test physique, quoi. Il n'y a pas non plus. Voilà. Mais je ne sais pas pour combien de temps ça va durer. Alors voilà ce que je propose. Je vous fais sortir de là et vous faites exactement ce que je dis. Ça marche. Déjà, on se connaît pas, Jean-Claude. Donc, je te dis, bon, allez, comment j'ouvre cette porte? Je crois que ce que j'ai fait, c'est ça. Ce que je fais, c'est ça. Ça, voilà, c'est ça. C'est bon, il a réussi. Tout est beau, tout est bueno. Et je comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, genre, c'est pas bien. C'est pas bien là où on est, mais pour l'instant, ça a l'air bien. Bon, c'est pas grave. Apparemment, ce n'est pas terrible. Bon, les amis, ça fait une petite vingtaine de minutes que nous sommes ensemble. On va se dire à la prochaine dans un épisode futur, dans un futur épisode. Si vous avez apprécié, parce que n'oublions pas que je ne pense pas que la map soit finie, donc on se dira dans un épisode prochain. Donc, si vous avez apprécié ce petit épisode, cette petite aventure, cette petite jump, puzzle, on pourrait dire aussi. Un petit pouce bleu pour moi. En tout cas, moi, ça me fera très plaisir. Et surtout, partagez, 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 partagez. Et sur ce, c'était Flemous. Allez, bye bye tout le monde. Bye.